Ouais, donc si tout le monde sait jouer au sucre, j'ai fait une vidéo comment faire de Char Factor avant, mais elle est très longue, alors je sais pas si je vais vraiment l'envoyer. Le ciel dehors est vraiment noir ou c'est moi alors? Attendez, j'arrive. Le ciel a l'air vraiment noir de ouf. Oh putain. Soit j'avais chargé. Non, je n'ai rien dit. Avec la lumière, on dirait que ça fait noir, 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 noir. Enfin bref. Donc, je vous apprends comment on fait une intro personnalisée dans Char Factory. Alors, là, vous avez votre thème, ancestraux et ancestral. Ok, vous prenez celui que vous voulez. J'ai tapé dans le micro. Vous prenez celui que vous voulez vraiment. Par exemple, The Evil Within ou Within, je sais pas quoi là. Vous prenez n'importe quel truc. Vous prenez ça, ça. Ou l'intro, moi je prends sur l'intro. Par contre, ça fait vraiment du bruit. Enfin bon. Vous mettez. Ok, vous lancez le projet. The Evil Within. Enfin bref, je sais pas trop comment on prononce. Vous modifiez. Donc vous pouvez ajouter des filtres. Par exemple. Ça nique mes oreilles. Alors vous mettez un filtre, vous pouvez ralentir. Comme ceci, enfin vous faites tout ce que vous voulez. Alors là par exemple on va mettre un gros. Abonnez-vous. Vous allez mettre la couleur, vous allez mettre par exemple une bonne petite couleur rouge. Effet, bon, vous pouvez mettre des effets, des animations. Ensuite, ah oui, au fait, ça j'avais oublié de faire. La durée du texte, vous allez mettre si, enfin, vous choisissez, vous voulez que ça apparaît à quel moment le abonnez-vous. Je vais mettre genre tout le clip. Voilà, après vous pouvez mettre des effets caméra, des tremblements ou ce que vous voulez. Et puis vous pouvez mettre également une musique. Alors vous mettez celle que vous voulez, une musique, voire même peut-être sur votre téléphone. Hein, vous pourrez. Pour mettre une musique de votre téléphone, vous mettez audio seul. Enfin, vous faites votre truc, vous enregistrez la bande son. Et puis sur votre téléphone, vous activez en même temps la musique. Voilà, des musiques nos droits d'auteur hein, ou je sais pas quoi là, sinon vous allez être dans la merde, ça c'est moi qui vous le dis hein. Donc voilà, donc des musiques non droits d'auteur sur votre téléphone, vous cherchez sur YouTube, il y en a, je sais qu'il y en a hein. Et puis vous choisissez votre musique, vous mettez, et puis voilà. Alors par exemple on va mettre que ça hein. On va mettre ensuite vous mettez, enfin vous appuyez sur rond. Et pas là, vous appuyez sur rond et non 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 non, faites très attention, vous allez mettre sauvegarder la vidéo et quitter, d'accord, sauvegarder la vidéo et quitter hein. Bien sûr, voilà, ça c'est téléchargé, votre projet il est là, vous êtes, c'est bien le même hein. Vous allez mettre nouveau projet. Alors, le thème que vous voulez, moi je vais mettre lui, vous décochez tout ça et vous allez mettre lui. Le thème que vous avez créé, vous avez vu, c'est bien lui. Et n'importe quelle vidéo comme celle-ci. Et voilà. Et là, vous avez votre propre intro à vous. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Même au montage, là, vous pouvez la modifier. Hein. Et voilà. Vous avez votre introduction. Alors, vous pouvez aussi en faire des différentes. Par exemple, je prends. Bon, là, pas besoin de mettre un. Là, si là vous êtes obligé, si vous avez la PlayStation Caméra, parce que pour faire ça, il faut la PlayStation Caméra, c'est obligatoire. Vous appuyez sur croix, ajouter piste 2, et là, normalement, si vous avez acheté la PlayStation Caméra, vous allez à Micromania ou je sais pas où. Si vous la voulez, bah vous demandez PlayStation Caméra, voilà, et bah normalement. Il va vous dire, ouais, enfin, il vous l'achetez, enfin, je sais pas c'est quoi le prix. Enfin voilà, si vous pouvez, bah achetez-le. Enfin, c'est pas à moi de vous dire ce que vous faites, hein. Donc si vous l'avez déjà, vous avez votre écran là. Enfin, vous voyez votre tête, voilà en direct.
Vous allez appuyer sur croix et enregistrer. Donc normalement, ça va mettre en pause le truc. Donc on se retrouve normalement après. Donc moi, je vais faire mon petit truc, mon petit speech, ok? Voilà. Là, j'ai fait mon petit speech. Donc là, vous allez... Ah non, j'ai fait une connerie. Enfin bon. Par exemple, vous prenez ce thème-là. Or, par contre, il faut prendre le thème que... un thème que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. Et voilà, donc là. Je vais mettre. Enfin, non, ouais, vous mettez le thème que vous voulez. De toute façon, là, c'est pas important. Je m'étais un peu paumé. Donc là, c'est plein écran. Donc là, vous avez votre truc. Vous mettez quitter sans sauvegarder. Nouveau projet. Donc là, vous prenez le projet. Enfin, par exemple, je vais reprendre lui. Vous décochez tout. Et là, vous avez ça. Donc là, vous lancez projet. Vous avez votre clip. Oh, je suis désolé, j'ai une tête de con. Voilà, bon, bref. Donc là, vous avez votre clip. Ah là, vous pouvez mettre une musique. Vous pouvez mettre un abonnez-vous encore. On va remettre un abonnez-vous. La durée du texte, vous mettez tout. Et puis voilà. Abonnez-vous les gens si vous voulez plus de vidéos. Et puis voilà. Hein. Allez, salut. Voilà, donc là, vous avez par exemple là, vous modifiez comme vous voulez, comme d'hab. Vous mettez sauvegarder la vidéo et ça télécharge. Voilà. Mettez ce nouveau projet. Là, vous mettez celui que bah, du coup vous voulez, vu que vous avez la propre. Bah, je vais reprendre au hasard celle-ci. Vous décochez tout. Ouais, vous décochez tout et vous mettez Abonnez-vous. votre intro personnalisée ici. Ah non, pardon. J'ai oublié de faire quelque chose, excusez-moi. Ne faites pas. Voilà. Vous prenez votre intro personnalisée et votre clip que vous voulez. Donc je vais reprendre celle-ci. Et voilà. Vous avez votre propre intro. Après, à la place de ça, vous pouvez mettre. Également, si vous n'avez pas la PlayStation Caméra, parce que je pense pas que vous l'avez tous, vous mettez. Enfin, vous, à la place de mettre enregistrer vidéo, vous allez mettre audio seul. Vous allez enregistrer votre truc. Ensuite, quand vous allez mettre ajouter capture à votre truc, et vous allez mettre genre une image, n'importe laquelle. Ah, je vais vous montrer comment on fait. Alors là, vous faites la même chose. Vous prenez n'importe quel thème. Vous avez juste besoin d'une intro pour. Enfin voilà, c'est obligatoire ça, normalement. Voilà. Vous mettez votre audio. Alors là, ça va couper l'enregistrement. Enfin, ça va mettre en pause l'enregistrement, c'est normal. On se retrouve après, encore une fois. Hein. Allez, salut. Enfin, non, pas allez, salut, on se retrouve après. Alors abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et puis voilà, il y a du Call of et tout. Voilà, allez, salut. Et voilà. Donc là, vous avez votre buste audio. Attends, parce que jamais vraiment fait ça. Voilà, allez, salut. Non, la piste audio, ça s'enregistre pas. Alors, Alors, abonnez-vous si vous voulez plus de... alors non, alors non. Je vous redis, en fait c'est pas comme ça. Je crois que j'ai compris le truc. Prenez l'intro qui vous intéresse, donc n'importe laquelle. Moi je vais prendre par exemple Resident Evil. Vous allez prendre l'intro et vous allez mettre votre clip, donc lui par exemple. Et voilà. Et là, vous allez faire votre petite intro. Par exemple, ça.
Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et puis moi je le ferai. Bon, bref, voilà. Allez, salut. Voilà. Allez, salut. Là, j'ai mon truc. Et à la place de l'intro, si vous voulez, vous pouvez mettre une image ou laisser comme c'est, hein. Voilà. Voilà, donc ça c'est un Vidéo peu et puis moins impressionnant voilà. malheureusement avec ça, mais bon. Enfin bref. Donc, je vous ai appris comment on fait des intros avec le Char Factory. Et puis voilà, pour aussi modifier, enfin faire des photos et tout, enfin voilà. Bon, voilà. Vous pouvez faire une intro aussi avec votre projet. Vous allez mettre le projet que vous voulez. Par exemple, encore une fois, Black Ops 3. Vous allez les photos, les images de BO3. On va mettre genre ça. Ajouter. Le cadre, enfin, on va mettre comme ça. Puis vous modifiez tout ce que vous voulez. Puis ensuite, normalement, vous pouvez directement le mettre dans votre clip. Enfin, voilà. Bref. Enfin, je vous ai appris comment on fait une intro sur la PS4 Char Factory. Bah, voilà. Bon, c'est un peu compliqué quand même. On va pas se mentir. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, vous pouvez faire aussi des, pas vraiment des intros de fin, mais des trucs de fin, mais bon, ça c'est pareil, c'est un peu chiant. Enfin bref, allez, salut.